Salut team, j'espère que ça va bien. Un tout petit peu de super aliments, c'est bon pour la santé. Je viens de terminer mon training. J'ai sorti des boulamites, ma casquette des Nordiques. Ben oui, j'aimerais ça avoir un retour des Nordiques à Québec. On se croise les doigts. Mais pour rester dans l'esprit de l'entraînement, pardon, sportif et physique. Aujourd'hui, cette vidéo, le Focus Gym 5.0, va porter sur l'échange. Pourquoi je parle de ça? Parce que là, ça fait plusieurs semaines qu'on est en confinement. Puis, on constate beaucoup que, ben, moi, à travers ma revue de presse, dans le cadre de mon travail, tous les matins, je vois qu'il y a des sources de tension qui se créent, notamment dans les couples. Puis, c'est plat. Mais en même temps, le confinement est un excellent test pour savoir si la personne qui partage votre vie, elle la partage pour les bonnes raisons. Donc, je ne ferai pas mon spécialiste matrimonial le matin, mais c'est seulement pour vous dire que les sources de tension principales dans les couples, dans la modernité, c'est l'âme. Okay? Peut-être la sexualité, mais c'est essentiellement l'argent et ça a un impact sur la vie sexuelle, bien entendu. Donc, l'argent, malheureusement, pour plusieurs personnes, c'est un problème. Je parle au niveau du mindset. Ils peuvent avoir 200 000 $ de placement en REER, en CELI, en je sais pas trop quoi, mais ils stressent pareil. Parce que là, leur vie est complètement changée. Ils ne savent pas ce qui va se passer avec leur entreprise, ils ne savent pas ce qui va se passer avec leur emploi, ils ne savent pas. Moi, dans le programme Focus Gym 5.0, qui est un programme de performance mentale physique, j'explique une des choses importantes dès les premiers mois de la formation du programme, apprendre à gérer l'inconnu. Et une des façons de bien gérer l'inconnu, c'est l'échange d'expertise, ce qu'on appelait autrefois le troc. Quand vous êtes dans une période, on peut dire monétaire, un peu plus difficile ou serrée, l'échange d'expertise, ce que j'instruis lorsque j'aide des gens à partir en affaires, c'est de garder l'argent dans vos poches. Donc, à ce moment-là, vous faites de l'échange d'expertise. Okay? Plus le confinement va durer, plus les gens vont commencer à redécouvrir certaines choses que nos aïeux savaient très bien que ça fonctionnait, mais que nous, on a perdu de vue. Comme par exemple, on a tout le temps l'habitude de sortir nos cartes de plastique pour acheter quelque chose, soit des cartes de crédit ou de débit, tout ça, alors qu'il y a des choses, ça serait juste de parler à la personne puis dire, est-ce que je pourrais avoir telle chose? Moi, en retour, je pourrais te donner ça. Puis là, tu négocies. Parce que la base du commerce, c'est la négociation. Mais on est rendu dans un monde où on fixe des choses, puis c'est déterminé pour tout le monde. Il y a une vision égalitaire du commerce, ce qui est contradictoire avec les vertus libérales de l'entreprise privée, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais simplement pour dire que au niveau de votre entraînement physique, échanger, ça a aussi un sens. Si vous êtes dans une routine de confinement, comme c'est le cas, que vous partagez votre maison, votre résidence avec votre conjoint, conjointe, avec des enfants, avec Japy Toutou, puis les animaux domestiques, puis les plantes, puis Alouette, c'est sûr que le confinement va créer des sources de tension parce que la base de l'organisation de la vie avant le confinement était les horaires de travail. C'est là qu'on voit que le travail occupe une place importante. Mais la raison du pourquoi les gens travaillent, c'était pas pour faire de l'argent, c'était pour payer des factures. On va dire la vérité, c'est essentiellement ça. Donc les gens ont un mindset négatif parce que leur rapport à l'argent n'est pas sain. Donc s'il n'y a pas d'argent, ils stressent. Là, ils créent des problèmes avec leur couple en questionnant constamment la conjointe ou le conjoint sur certains états de fait que dans les circonstances, la personne, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est en confinement, je ne commencerai pas à aller me promener sur la route et me faire arrêter par la police. C'est ça que je veux dire. Donc, l'idée là-dedans, c'est qu'il faut revenir à la base des choses. Dans une vidéo précédente, je parlais de redécouvrir le respire, inspirer, expirer. Mais l'échange aussi, c'est important. C'est une excellente occasion dans le confinement d'échanger via Internet, entre autres, avec des personnes qui peuvent vous rendre tel service moyennant tel autre service. Ben oui, ça se fait.
Okay. Également dans la maison, si vous voulez diminuer les sources de tension, plutôt que de parler d'argent, pourquoi vous ne parlez pas d'échanger des choses, d'échanger des biens, d'échanger un service, oui, avec votre conjoint ou conjointe, puis de commencer à retirer la valeur de la pièce, en guillemets, sur les choses qui vous créent des sources de problèmes, puis de parler plutôt d'échange, de partage. Il y a des factures qui vont attendre. Il y a des factures qui se paieront pour. Mais il y a un confinement. OK? Puis vous n'êtes pas obligé de vous comporter comme un banquier. Moi, je ne vous conseille pas de le faire. OK? Comportez-vous comme un être humain, avec des émotions, puis une raison. Et les deux ensemble, ça fait un match extraordinaire. Donc, l'échange d'expertise, l'échange de services, à l'intérieur de la maison, ben oui, ça se fait. Mettez vos enfants à contribution également. Puis les habituer à adopter des valeurs plus universelles d'entraide et de partage. Parce que les situations difficiles nous ramènent toujours à l'essentiel. Lorsqu'on est trop gâté, on ne voit plus ces choses-là. Puis là, on voit les gens de haut. Puis là, on voit les gens, tu sais, comme, ah ben lui, il n'est pas de mon rang. Puis elle n'est pas de mon rang. C'est une mauvaise nouvelle pour toutes ces... C'est 10 cents entre les deux fesses, ce que je peux dire. C'est que vous allez tous passer à la trappe comme moi, comme toutes les autres un jour. Puis tout ce que vous avez créé de richesse sur la terre, vous ne l'amènerez pas avec vous autres. Puis vous allez le laisser à des personnes en espérant que votre testament soit respecté. Fait que, si vous travaillez pour créer des richesses, pour aider son prochain, pour créer des emplois, pour générer la richesse dans la société, je suis le premier à vous offrir mes services pour vous aider à partir de votre business. Mais si vous voulez accumuler des trésors pour m'impressionner et impressionner les autres, ben ça ne nous sert plus à rien dans un système où on est en confinement. Okay? D'ailleurs, toutes les entreprises actuellement ou presque demandent de l'aide sociale de l'État. On va appeler ça de même, c'est de l'aide sociale pour les aider à rester en vie. Donc, ils partagent la situation actuellement des plus mal pris de notre société qui ne peuvent pas travailler pour toutes sortes de raisons. Je ne parle pas des fraudeurs, des bougons, je parle vraiment des gens qui sont confinés pour des raisons de santé ou psychologiques, ou peu importe, qui reçoivent une prestation d'aide sociale à tous les jours. Maintenant, ils vivent ce que ça veut dire avec cette tension-là et le rejet. Mais comme on les adule, les gens d'affaires, et en partie avec raison, bon, on en leur enlève cette étoile jaune de David, si je peux m'exprimer ainsi, sur eux autres. Puis, là, on voit que si l'aide sociale n'est pas là, il y a bien des entreprises qui fermeront. OK, donc l'échange devient une solution et ça commence dans la maison. Et par rapport au Focus Gym 5.0, vous aussi, vous pouvez échanger. OK, donc quand vous faites vos exercices, vous pouvez échanger d'endroit dans la maison parce que là, la routine, elle vient de modifier. Puis si vous ne voulez pas créer des tensions inutiles avec votre conjoint, conjointe, vous aviez l'habitude de faire vos exercices dans le salon puis avez écouté ces programmes parce que, bon, on en profite, allez donc faire les exercices dehors. Pas dit de ne pas les faire, allez les faire dehors. Votre sous-sol, peut-être une excellente occasion de le réaménager pour vous faire un espace d'entraînement physique. Il y a peut-être une chambre à débarras dans la maison. Débarrassez-vous de vos affaires, faites comme moi, créez-vous une boutique en ligne sur Internet, puis commencez à écouler vos stocks. Puis quand il y a des brocantes l'été, tranquillement, commencez à faire le ménage là-dedans pour créer votre salle d'entraînement physique, votre salle de conditionnement physique. Pour acheter un jour mon produit, le Focus Gym 5.0, 350$ plus taxes. Anyway, moi, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Pensez à échanger. Arrêtez de vous soucier, je vais te passer la ligne. Pensez à échanger. Pensez à échanger. Puis vous allez voir, votre vie va changer. Alors, je vous laisse là-dessus, puis on se dit à une prochaine vidéo, la semaine prochaine, team, puis gardez-vous en santé. Respectez les politiques de confinement, puis nourrissez-vous bien. C'est super important. Bye bye.